Et bonjour les amis, bienvenue chez Yuna. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Bouclier. On s'était laissé après notre arrivée à Greenbury et après avoir un peu gambadé dans les champs et à travers la ville. Maintenant, le temps est venu d'entrer enfin dans cette fameuse arène. D'accord. Bah oui, si tu l'as fait, c'est sûr que nous, on peut le faire. C'est pas pour être désobligeante, mais on a quand même un niveau un peu supérieur. Allez. C'est parti. On va parler rapidement à tout le monde. Ah, génial! À chaque fois, on reçoit des Pokéballs. Bah, ça, c'est cool. D'accord. Ah, oh, c'est sympa toutes ces nouvelles Pokéballs. Il y a des missions d'arène. Là, on va voir de quoi il s'agit. Alors, non, on va pas les changer. Parce que j'en ai qu'un, mais par contre je retournerai plus tard en capturer un et je te l'échangerai mon petit. D'accord. On promet de retenir mon nom. Alors lui je suppose qu'il nous vend si on n'a pas tout ce qu'il faut. Voilà. C'est ça, il va nous vendre Pokéball et Potion. Mais on a ce qu'il faut, donc c'est pas la peine. Elle, qu'est-ce que... Ah, on peut acheter des uniformes. Uniforme roche, uniforme insecte, uniforme acier, uniforme psy, uniforme électrique, uniforme sol, uniforme vol. Il est pas mal l'uniforme vol, franchement. Uniforme normal. Ah, le poison est stylé aussi, j'hésite. Franchement. Le truc moyen. Et ben, vous savez quoi? On va prendre l'uniforme poison parce que je trouve qu'il est vachement stylé avec un côté un peu Splatoon comme ça. Allez. Voilà, c'est fait. Donc là, on va y aller. D'accord. Donc on a une... Oui, allez, on y va. De toute façon, il faut bien qu'on y aille. Est-ce qu'on nous laisse le choix du coup de l'uniforme ou pas? Mais non, mais on vient d'en acheter un. Pourquoi on porte... Ça sert à quoi dans ce cas-là d'acheter? Je comprends pas. Alors, je regarde dans les options pour l'équiper. J'ai peut-être raté un truc. Allez, c'est parti les amis pour cette première arène. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire avant d'arriver jusqu'au champion de l'arène? D'accord. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Je sais que la mission commence, bah oui, bien sûr. Non, on n'a pas de truc pour s'équiper au stream. Ok, on va. Je comprends pas l'intérêt de nous faire acheter des trucs si c'est pour que... Forcément, il y a un remède. Ah bah ok, carrément. Allez. C'est rigolo, ce petit défi d'arène. Alors. J'imagine que là, c'est pareil. Mais... Ah oui, il fait peur au... Voilà.
Ok, donc d'abord on va affronter un dresseur pour se mettre en jambe. Allez, c'est parti les amis. J'espère que vous appréciez autant que moi la découverte de cette première arène. Bon bah ça va, c'est pas trop dur. Bon du coup faut tout recommencer ça forcément puisqu'ils repartent. Ah ouais d'accord. Allez c'est parti. Alors là on va s'amuser, je le sens. Groupe par groupe. Allez. Toi. Voilà. Et les autres là, ils sont. Allez. Là, c'est bon. Et il reste plus que le petit dernier, le petit récalcitrant. Allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Non. Voilà. C'est original. On affronte des dresseurs au passage. La grosse quête. Ouais, c'est un peu plus dur à chaque round forcément. On va la affronter elle. Ah lui pardon, excusez-moi dodo, j'ai cru que c'était une fille. Non, on va pas changer parce que c'est mieux. Donc surtout, c'est mon Pokémon qui est vraiment hyper adapté à cette arène, avec ses capacités et tout. Allez, en deuxième. Allez. Du coup, on va continuer, on va récupérer les petits moutons parce que là, il y en a plein dans la nature. Allez, allez, toi, tu reviens aussi. Bon, ok. Allez, on va terminer avec ces deux-là, tant pis. Allez, allez. Voilà, merci. Voilà, et il en reste deux. Ah oui, chacun a un bout pour faire simple. Voilà, et le dernier. Alors encore, on a de la chance, c'est pas des moutons, une fois qu'ils sont sur leur ligne, ils bougent plus, c'est bien. c'est pas trop difficile et pénible quoi. J'aurais pu faire un petit truc beaucoup plus pénible en mode ouais à chaque fois que tu reviens en arrière il y en a qui s'en vont et t'es obligé de recommencer mais là ça va. Bon et puis le mouton ça sera vraiment l'emblème du Pokémon mignon pour moi. Ah il y a deux vols.
Enfin, quelle horreur. Pas que j'aime pas les vols tout, mais parce qu'ils vont me les disperser. C'est pour ça que je dis ça, bien sûr. Allez, cette fois, c'est bien une fille qu'on affronte, Carla. C'est parti. Non, maintenant, je vais régler ce problème de piqûre là. Parce que si j'arrive tout à fait de vie direct devant le champion, ça va pas le faire du tout, les amis. Oui, bien sûr. Alors, on va enlever vous l'armure. Et voilà. Ah, ça fait plaisir de voir son équipe progresser au fur et à mesure. Et ils sont vraiment pas radins dans ce Pokémon, hein. On gagne vachement d'argent d'entrée de jeu. Ouais. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, est-ce que ça y est, on est arrivé au boss ou pas? Oui, c'est ça. Il n'y a plus de défis moutons. Sur les côtés, enfermés. Donc là, on arrive au champion. Alors, je vais regarder vite fait dans mon sac. Pour les remèdes, si je peux. Alors, est-ce que c'est le défi? Ça. Antidote. Moi, c'est pas vraiment l'empoisonnement en fait. C'est une autre forme. On va essayer avec une potion. Je sais pas si ça va dissiper les effets en fait. Bonne question, les amis. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai toujours pas utilisé mon super bon, que je suis bête à la pyro, hein. Allez, on y va les amis. On est prêt à affronter le champion. Allez, c'est parti. Et ça fait vraiment comme dans un stade de foot ou pour un concert. Enfin, plus stade de foot avec l'air. Mais impressionnant. Impressionnant, impressionnant. D'accord. Merci, merci, merci. Ah, il va se servir du Dynamax. Alors là, pour le coup, ça va être une totale découverte pour moi, les amis. Parce que ça... On n'est pas encore du tout l'occasion de faire. Je trouve à certains endroits les rares, etc. Je reste dans le monde. Oui, bah, on va peut-être pas l'utiliser dans ce jeu, hein. On va attendre un peu de voir, en fait. Ça
pas la peine de faire ça direct. Oh purée, j'ai toujours ce truc qui m'affecte là. Mince. Bon, on se laisse un peu. Ok. T'as pas dit ton dernier mot. Alors ça c'est son évolution. Oh qu'est-ce qu'il est classe, mon côté. J'adore. Honnêtement, je suis fan. Ah. Il m'a pas laissé le temps. Donc là, à mon avis, mon attaque va pas du tout être aussi efficace, forcément. Donc là aussi, il va falloir qu'on vise un max. Du coup. Ah si, oui quoi. Bah écoutez, on va utiliser le pire en max hein. Bah, je découvre totalement cette innovation qui pour moi est totalement inédite hein. Donc là je pense que du coup je vais avoir l'avantage largement parce que... Oh là là, c'est impressionnant les amis. C'est vraiment impressionnant. J'adore. En fait, j'adore, c'est ça. Ah, il y avait deux Pokémon. Je pensais qu'il y avait 6 Pokéballs à la ceinture, il en aurait plus. Bah non. Génial. Génial, génial. Et bah voilà les amis, on a gagné notre premier badge de l'aventure. Et on n'en est pas peu fiers. Et on a découvert en même temps le phénomène Dynamax. Ah génial, jusqu'au niveau 25. Voilà, donc là on nous incite quand même à pas faire un jeu linéaire et à vraiment, vraiment prendre notre temps. Et moi ce que je veux savoir en fait c'est comment les équiper. Voilà. Ah mais je voulais l'équiper. Ah non, bah c'est pas là en tout cas. On verra plus tard. On verra plus tard du coup. Voilà, tout le monde me dit que j'assure, ça fait plaisir. Alors, ouais, non, ça on a dit, on va le faire plus tard. J'irai rechercher un autre Miaouz pour justement
Ouais, prochain objectif, le badge. Oh, est-ce que d'ailleurs on a un endroit... Ah, je suis sortie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un endroit où on peut voir nos badges? Carte, Pokédex, peut-être dans la carte de ligue. Oui, c'est ça. Ok, on voit les badges sur le côté. Bon, bah nickel. C'est super sympa. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo avec cette première arène vous a plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. On reprendra notre chemin pour la prochaine arène de type O cette fois. Allez, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus et des commentaires. Ciao ciao, c'était Yuna.